Que le Seigneur bénisse. Donc vraiment, effectivement, il faut connaître la profondeur des choses. Alléluia. Parce que le fondement de toutes choses au niveau spirituel, c'est la parole. Alléluia. L'enseignement. Amen. Si tu n'es pas enseigné, tu n'as pas la connaissance, tu seras toujours frustré des choses. Alléluia. Donc nous allons prier pour cette petite exhortation. Seigneur, merci en ce matin, ce soir. Que le courant de ce moment de la connaissance, parce que tu as dit que ton peuple périt par manque de connaissance, Seigneur, tu l'as dit. Permets que ce moment que nous avons passé, Seigneur, les exhortations, et surtout aussi ce moment de louange, tu l'as dit, louer Dieu, c'est prier deux fois. Seigneur, merci, prends ce contrôle et permets que Seigneur, merci à la fin. Sois vraiment positionné pour ce moment. Et qu'à travers, Seigneur, ces moments de louange, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait même, Seigneur, ce que nous avons jamais vu. Oui, Seigneur, des prodiges et des merveilles. Prends le contrôle que nous enseignons au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, nous allons prendre ici. C'est une petite exhortation. On va ici là-bas, la Bible. C'est sur ça que je vais m'appuyer. J'ai au moins un peu l'intérêt. Voilà. Combien de minutes? 10-15. Alléluia. Je vais faire mon mieux. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc, nous allons prendre nos pieds. Nous allons prendre vraiment nos pieds. Nous allons prendre ici 2 Chroniques 5, 10, 14. 2 Chroniques 5, 10, 14. Je vais lire rapidement pour quelqu'un, si une personne a. Amen, la Bible peut lire pour moi. Je dis bien 2 Chroniques. 2 Chroniques 5, 10, 14. Ici, j'ai lu, comment on appelle français courant, à lui Simon. Dans le coffre, il y avait seulement les 2 tablettes que Moïse y avait placées à Horeb. Lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte, les prêtres sortis du lieu saint, tous les prêtres présents s'étaient vraiment purifiés. Rituellement, sans tenir plutôt compte de l'ordre de passage, vraiment des places auxquelles il appartenait. Tous les Lévites qui étaient musiciens se tenaient au complet du côté et de l'autre l'autel, avec des cymbales, des luths et des livres. Il y avait là Asaph, ce sont les familles qui louaient, qui adoraient, qui faisaient des musiques dans la maison de Dieu. Il y a là Asaph, la famille Emma, Yotoutou, avec leurs fils et les membres de leurs parents, pour les vertus de fin née, sans fin prêtre, se tenaient à leur côté en sonnant des trompettes. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Ici, regardez un peu les chants étaient choisis par Dieu. Ce sont les familles. Alléluia. On les a cités ici tout à l'heure. On a dit ici, il y avait la famille Asaph. Amen. Il y avait la famille Asaph. Il y avait aussi, excusez-moi, je suis un peu perdu. Alléluia. Voilà. Il y avait Asaph, il y avait Emma et il y a Toutouma. L'autre côté, je ne sais pas si c'est la même explication. Alléluia, celui second. Donc ici, voici ces 3 familles, ces grandes familles qui étaient choisies. Et là, pour commencer, ces gens, c'était des personnes qui réellement qui avaient, d'abord même avant de commencer, excusez-moi, je suis un peu chaud. Qui est chaud? Qui on appelle chaud?
en bon français. Parce que je me suis, j'ai recueilli dans le dictionnaire, un chant, c'est une personne qui chante, qui loue, qui glorifie Dieu par le Fils religieux. Alléluia. Par le Fils religieux. Il ne fait que faire ça. Alléluia. C'est ce qu'il reçoit, c'est ce qu'on l'a confié comme une mission. Alléluia. Comme aujourd'hui, les cinq ministères qu'on parle. C'est un ministère pour la personne. Alléluia. C'est ça le chant. Alléluia. Nous allons comprendre beaucoup de choses. La Bible dit que le choix depuis les Lévites, d'abord même ces trois familles appartenaient aux Lévites. Quand on parle des Lévites, on parle de ceux qui sont choisis pour servir qui? Dieu. Alléluia. La famille des Lévites n'aurait tout qu'à faire qu'être dans la maison de Dieu et de servir réellement Dieu. Donc regardez un peu. C'est depuis les Lévites, depuis la famille, disons les tribus de Lévites qui ont été choisis ces personnes. Il n'y a pas eu d'autres personnes en dehors de l'église. Donc c'était le choix d'abord. Il faut que tu appartiennes d'abord. Ça sont les critères à respecter. C'était de la famille, de la tribu, de l'église d'abord. Alléluia. Avant d'être choisi et d'être chanté. Ça c'est la première chose. Amen. Donc l'établissement est au dépens du Seigneur. Parce qu'il était le chef. Le Seigneur est le chef de l'église. Moi, je suis, je ne choisis pas chanté. Comment il s'appelle? La personne. C'est le Seigneur qui choisit. Il n'y a pas les beaux yeux. Je ne vois pas ta voix pour dire que non, tu es chanté. Non. Alléluia. Il peut témoigner. Là où je suis, c'est le Seigneur qui t'a dit sa chanson. Tu es converti, en fait, ta délivrance, parce que Dieu parle. C'est qui? Parce que tu es, et puis tu commences à travailler. Alléluia. Voilà. Parce que là où tu n'es pas, là où tu ne dois pas être, si tu es, c'est un problème. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu ne dois pas être, parce que tu ne peux pas regarder parce que tu es un beau garçon, bon, le Seigneur vient chanter. Non. Qui t'a mis là? Alléluia. Amen. Regardez un peu le choix. Regardez comment les choses ont été faites. Amen. Alléluia. Amen. Le choix du Seigneur est clair. C'est quoi? C'est irrévocable. Il faut que tu sois Lévite. Après Lévite, tu as le choix. Après le choix, tu chantes ou rien. Que le Seigneur bénisse. Donc ici, on sait dans Jérémie 1:5, avant que tu deviennes, le Seigneur déjà t'avait conçu et établi comme prophète des nations. Alléluia. Donc ça veut dire que là, c'est biblique qu'il y a un choix de la part de Dieu. On ne s'élève pas parce que tu as une belle voix et on ne sait pas d'où tu viens. Et puis on t'établit comme chant. Alléluia. Donc ici, Jérémie 1:5 en bas, pour comprendre que les chants étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens qui étaient toujours sous la surveillance des sacrificateurs et des guides, des prophètes. Alléluia. Ce sont aussi leur ministère à eux. On ne doit pas jouer avec. Alléluia. Alléluia. On continue. Ce sont des personnes qui travaillaient dur pour une vocation importante pour le royaume de qui de Dieu. Non au profit d'un homme. Alléluia. Non au profit d'un homme. C'est un ministère. Il suit une maman comme comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Constance. Constance, elle était quoi avant quand elle travaillait? Elle était professeure d'anglais. Alléluia. Amen. Dans un collège. Dieu l'a dit, il faut laisser ça. C'est pas là que je t'envoie. Alléluia. Et elle a laissé. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Est-ce qu'elle fait autre chose? C'est ça. Alléluia. Tu dois être capable de Dieu. Et c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Je l'aime bien cette femme parce que elle ne se mélange pas. Tu vas pas voir dans ses tableaux de publicité que Constance chante avec telle personne. Je n'ai pas encore vu jusqu'à aujourd'hui. Elle est toujours seule. Avant de venir tenir le micro, Dieu lui dit va chanter. Et dès qu'elle chante, c'est l'onction qui dégage. Alléluia. Ce n'est pas venir être vide et puis faire danser à la sueur et puis chacun retourne parce qu'il est venu. Alléluia. Amen. Ça ne se fait pas. Que le Seigneur bénisse. On continue. Ici aussi, les chanteurs, ils avaient leur famille, ils étaient combien? 128 personnes. Esdras 2, verset 41. Qui constituaient
Comme je l'ai dit ici, bon, ça c'est le second. Asaph, Eman et Judithon. Voici des familles chantent dans la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs veillaient. Tu es pur, tu n'as pas droit à chanter. Tu es pur, tu retournes là-bas. Alléluia. Alléluia. Non, je dis, c'est pas ça. Alléluia. Rien n'est contrôlé. Ton cœur chargé, tu viens, tu prends le micro, tu commences à chanter. Alléluia. Alléluia. J'ai pas assez de temps. Donc ici, les choses étaient surveillées. C'est-à-dire, réellement les choses étaient faites. Le coffre, le verset dit qu'il y a que dans le coffre, il y avait les commandements. Un chante doit connaître la parole. Ce qui chante doit être vraiment toujours biblique. Alléluia. Amen. Regardez aujourd'hui. Mon fils m'envoie sur son portable. À l'enfer, il n'y a pas le coup. À l'enfer, c'est quoi? Il n'y a pas quoi? Kabato. C'est un certain casse quoi? Boudou bien, c'est pas quoi? Alléluia. Excusez-moi du terme, je ne dénigre pas. Mais où est-ce qui est public dedans? Où est-ce qui peut édifier? Où est la parole? C'est-à-dire l'onction, l'esprit de Dieu, où ça y est? On parle d'Aloko. Tu as fait quoi à Aloko? Aloko, ça c'est de la chair. Et on prend, on est là, on dit c'est un chant. Tout le monde est chant. Amen. Alléluia. Donc ici, les sacrificateurs, les prêtres, les prophètes, se sanctifier, ça dans la Bible, on vient de lire dessus, se sanctifier. Tu n'es pas sanctifié, tu retournes. Tout était pur. Ils étaient allés quoi? Blanc. Être allé blanc, c'est quoi? C'est une révélation, c'est une manière de dire, tu es pur. Et tu viens, tu tiens le micro. Alléluia. C'est ça le chant. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et on continue. Le chant avait cette sémence de connaissance au niveau des traditions spirituelles, c'est-à-dire la foi, la consécration. Moi, je connais le nom de Dieu. C'est par lui que mes yeux ont été ouverts spirituellement. Vous pouvez le connaître, le prophète Nyazade Didier. Alléluia. Le groupe Eden. Il y a le groupe A, il y a le groupe B. C'est le groupe A qui aujourd'hui qui fait la tournée. Le B est là. Alléluia. Amen. Le monsieur s'assoit là où l'homme de Dieu est assis. Et puis vous jouez, dès qu'il y a une petite erreur, il y a une erreur, il parle pas. Dès qu'il vous jette le regard, vous rectifiez. Alléluia. Non, rectification. J'ai vécu avec les têtes. Alléluia. Et aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. C'est ça le chant. Ayam Soko, j'ai vu ça sur YouTube. C'est deux soeurs qui chantent. Les deux soeurs. Elles ont chanté, elles ont déposé le micro, elles ont commencé à faire la délivrance. Alléluia. Moi j'ai ça ici. Elles ont commencé à faire la délivrance. Les démons sortaient. Il y avait l'onction partout. Mais qu'est-ce qui a été? C'est la parole. C'est la manière de se tenir. Ta présence avec le Seigneur. Ton intimité avec le Seigneur. Alléluia. N'importe qui n'est pas venu imposer mais à quelqu'un pour chasser des démons. Alléluia. Pourtant c'est qui? Ce sont des chants. Elles ont été reçues, elles ont communiqué sur cette sémence depuis leur père. Alléluia. Et les choses sont là. Amen. Amen. Donc un peu, c'est un peu cela. Tu ne peux pas être chante les buts. Il n'y a pas d'option. Tu chantes le monde, tu reviens un peu parce que ton problème, c'est quoi? C'est ton ventre. Et même on doit soi-disant Gomboïse. Gomboïse s'est quitté au bout de l'affaire de Dieu. Et même des gens qui ne sont même pas qualifiés, qui n'ont aucune vie spirituelle, on leur fait jouer des instruments. Or, on sait que notre tête est mise à prix. Si toi ta tête est mise à prix par le diable, tu vas laisser les... Non, écoutez, c'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois t'en servir. Fais très attention. Alléluia. Alléluia. Le rap est venu par l'instrumentiste. Ça sera une double ouverture, une porte ouverte pour l'église. Alléluia. Je connais l'église, peut-être que le frère, mon fils peut le connaître. Mais ce sont ces erreurs qui ont fait que l'église est tombée. Je n'ai pas dit son nom. L'église est tombée aujourd'hui, puisqu'elles ont rasé par une machine
Ils ont déposé d'autres habitations dessus. Ce sont des humeurs au bas. Alléluia. C'est ça le chant. Alléluia. C'est un ministère en fait. Tu n'as rien d'autre que ça. Tu vis que ça. Et tu dois rendre à Dieu à ça. Des chocs. Prends des moments de veiller. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Vous réussissez, vous faites des veillées dans la semaine ou même dans le mois. Et puis Dieu vous parle. Parce qu'il y a des chocs et en même temps, serviteurs et servantes. Moi j'ai deux là-bas. Alléluia. Amen. Tout est réveillé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc les frères, je crois que les frères font passer. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ici, la Bible dit qu'ils étaient vraiment en commun accord. Là encore, c'est un problème. Non, toi tu chantes mieux que l'autre. L'autre aussi chante que tu as l'autre. Ça devient quoi? Division. Répandez-vous sur là-bas. Regardez-moi, je respecte trois groupes dans une église. Trois départements. Il y a l'intercession, il y a le groupe musical et puis l'homme de Dieu. Si ces trois-là sont touchés, l'église prend chaos. Alléluia. Yes. Je vous dis la vérité. Surtout l'intercession et puis chant. C'est pourquoi vous devez vous observer. Alléluia. Yes. Vous voyez les sacs, ils ont dit quoi, les sacrificateurs veillaient, les prêtres veillaient. Amen. 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 Aujourd'hui, nous voyons des charognards. Qui sont des quoi, des chiens. Alléluia. Yes. Est-ce qu'ils connaissent la signification des chiens? Chiens, est-ce qu'ils connaissent? Ah. Non. Tu ne peux pas mettre le micro et puis commencer à chanter. Alléluia. Amen. Tes chansons ne n'ont rien. Il n'y a pas d'inspiration spirituelle. Il n'y a ni les paroles bibliques. Mais quand tu chantes, il faut que toi-même là, tu sois édifié pour que tu édifies le peuple. Yes. Alléluia. Amen. La personne n'a pas passé dans la personne à vie. En fait, la personne à vie avant des témoignages, dit que je chantais à toujours le micro. Mais il y a une soeur qui avait toutes sortes de problèmes. Alléluia. Il y a une chanson qui dit que les princes sont sur par terre, qui marchent par terre, et puis les esclaves sont sur les chevaux. Exactement. On a mis ça là, c'est un chant vraiment qui a une profondeur. Alléluia. Si on veut décortiquer, c'est pas du jeu. Oui, mais une personne qui a une situation pas possible, en écoutant ce chant attentivement, Dieu intervient. Alléluia. Et ça, c'est biblique. Amen. Amen. C'est pas tous ces chants, tous ces chanteurs, ces chants que tu veux écouter la musique. Faisons très attention. Il y a des chants qui ont des esprits, qui ont des lieux de famille qui les fatiguent. Peut-être qu'ils sont dévoués à Dieu, ça va marcher. Viens te prendre le micro pour chanter. Parce que moi, là, j'ai chanté, j'ai fait sortir des albums. Donc, vraiment, mon domaine, là, c'est chant. Sans même connaître sa vie, tu nous donnes le micro. Et c'est parti. Alléluia. C'est parti. Vraiment, faisons beaucoup attention. Amen. Il est simple. Amen. Alléluia. Beaucoup prennent le risque. D'abord, moi, ça me fait rire. Amen. Amen. L'homme de Dieu, lui, il vient sur sa vie, yes. Sa famille. Il vient aussi souvent sur le peuple. Toi, tu vas risquer ta vie, venir prendre le peuple et t'arrêter. Sure. Mais les flèches qui vont lancer, tu peux esquiver. Alléluia. Amen. Tu n'es pas chanté en vie, tu es même là pour chanter. Mais tu risques ta vie. Alléluia. Amen. Tu risques ta vie. C'est un problème de comment on appelle, de principe. C'est un problème de quoi? C'est un problème spirituel. Alors, les gens qui veillent les moi j'ai ouvert quelque chose sur WhatsApp. Un groupe de prière. Amen. Sur le WhatsApp. J'ai plus de 17 à 6 personnes pour le moment. Alléluia. Tous les jours, on prie. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui prient. Amen. Sans oublier ma soeur qui est là-bas, je la connais au sein. Alléluia. Un homme qui veut recevoir l'onction, elle doit aimer. Vraiment d'éveiller les prières. C'est un secret que je vous donne aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, on voit, on me dit qu'il y a des gens de Dieu qui font des programmes, qui prient un peu, qui dorment le matin, c'est l'heure. Mon ami, pendant que toi tu dors, l'ennemi travaille. Amen. L'ennemi travaille. On a parlé de ça dans Matthieu combien là? C'est juste qu'est-ce qu'il y a dans Matthieu. Alléluia. Alléluia. Donc ici, la maison de Dieu, aujourd'hui, on trouve ça comme des casinos. Alléluia. Où il peut avoir des bagarres,
le désordre, le commerce, des affaires, alléluia. On vend même, tu vends même des CD, alléluia, alléluia. Donc, ces choses sont faites, on voit. Amen. On chante pour l'argent. Eh, mon frère, il y a une commune, un CD qui a été vendu. Mais est-ce que toi-même, là, c'est là que Dieu t'a amené, c'est là que Dieu t'a envoyé, c'est une mission que Dieu t'a confiée. Que fais-tu? Alléluia. Donc, frères et sœurs, les chanteurs, je vous encourage. C'est vrai, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Vraiment, mais faites de sorte en toi que Dieu, le Saint-Esprit, vous aide à accomplir réellement vos missions. Alléluia. 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 Donc ici, nous allons prendre 2 Timothée 20, 22, rapidement.